Donc tout ça, c'est assez nouveau pour nous. On n'a pas dans la même génération que vous. Et on a découvert au fur et à mesure. Et j'ai eu un exercice libéral pendant une quarantaine d'années comme cardiologue à Sarcelles, en région parisienne. Et puis j'ai été nommé au collège de la Haute Autorité de Santé. Alors la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité indépendante à caractère scientifique. Ça veut dire que ça fait partie pour vous des empêcheurs de tourner en rond. C'est les autorités de régulation ou qui contribuent à la régulation qui sont là pour mettre des règles, des normes, des précautions pour que l'utilisation de tout ce qui concerne les technologies de santé soit faite avec la meilleure efficacité, le moins de risque possible et le plus d'efficience pour les patients. Les deux missions de la Haute Autorité de Santé sont l'évaluation des technologies de santé, donc des dispositifs, les médicaments, les actes, les services, et des recommandations. Donc au sens strict du terme, les recherches sur le big data, ça n'implique pas vraiment la Haute Autorité de Santé. Néanmoins, si je suis là, c'est parce que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, s'intéresse à toutes les autres nouvelles technologies qui, elles, vont profondément modifier les rapports entre les patients, les médecins et les systèmes de soins, tout ce qu'on appelle les NBIC maintenant, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information, les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, et que tout ça, ça va impacter les modes d'organisation et les pratiques. Moi, personnellement, je préside la commission parcours et pratiques, donc qui consiste à essayer de recommander aux professionnels tout ce qu'il faut mettre en place pour que les patients soient le mieux traités possible et avec le plus de sécurité possible. Et à ce titre, j'ai été amené à m'intéresser à toutes les nouvelles technologies qui peuvent intéresser le monde de la santé. Alors au départ, il n'y en avait pas beaucoup, et maintenant, il y en a une efflorescence énorme entre les applications mobiles, la télémédecine, les systèmes d'information et les big data. Donc je ne suis pas un spécialiste, hein, je suis un clinicien, cardiologue clinicien. Ma vie a été de parler avec des patients, mais je suis un professionnel. C'est-à-dire que comme tous les professionnels, quand on doit parler de quelque chose, on aime bien comprendre comment ça marche, à quoi ça sert. Et donc au sein de l'HAS, où j'ai cette mission d'assumer un peu une veille scientifique pour le collège de l'HAS, qui est composé de 8 personnes et qui dirige l'HAS, j'assume cette veille pour toutes les nouvelles technologies. Donc à ce titre, j'ai été amené à m'intéresser donc au big data et bien entendu, les préoccupations éthiques sont au cœur des préoccupations de la Haute Autorité de Santé. On applique à l'HAS un guide éthique avec un filtre assez simple, qui sont les principes fondamentaux de l'éthique médicale, Beauchamp et Chandler, pour qui ça intéresserait, qui sont au nombre de 4, c'est pas compliqué. Le premier, c'est la bienfaisance. Quand on fait quelque chose pour les gens, il faut que ça serve à quelque chose. Le deuxième, c'est la non-malfaisance. Voilà, mais c'est Hippocrate l'a dit, hein, il y a presque 3 millénaires, hein, 2500 ans. D'abord, ne pas nuire, c'est la première des choses. Le troisième principe, c'est l'autonomie du patient. Il doit être informé, il doit être consentant. On doit lui avoir délivré l'information la plus claire, la plus clairvoyante, la plus complète possible. On doit lui avoir fait comprendre ce qu'on dit et on doit partager la décision avec le patient. On n'est plus à l'ère du médecin paternaliste qui décide. On est en France à l'ère de la décision partagée. Et vous, qui êtes tous de cette génération, vous devez plus particulièrement comprendre ce que ça veut dire, la prise de pouvoir du consommateur, de l'utilisateur, de l'usager sur le monde qui l'entoure. Et les patientes sont dans cette situation. Et les derniers principes, de ces 4 principes, mais il y a d'autres échelles de référence, hein, dans l'éthique médicale, et puis elle s'adapte au contexte, hein, l'éthique médicale, une éthique s'adapte au contexte de la civilisation dans laquelle on est, hein. On n'aura pas la même éthique dans un pays d'une civilisation différente que dans la nôtre, hein. C'est assez contextualisé, vais-je dire. Le dernier principe, c'est celui de justice sociale.
C'est-à-dire que c'est aussi un des principes qui sont fondateurs de la Haute Autorité de Santé. On ne peut pas mettre en place quelque chose qui va coûter tellement cher que ça retirera des soins à d'autres. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion, c'est l'égalité d'accès. C'est-à-dire que quand on met en place un dispositif thérapeutique, quel qu'il soit, au moins en France, il faut que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Même si on sait qu'on n'est jamais tous égaux et que rien que par l'endroit où on vit, ça implique des déterminants de santé qui sont différents, ça implique des ressources différentes, enfin des ressources médicales, j'entends, mais aussi des ressources financières différentes, et que personne n'est réellement égal par rapport aux autres. Mais le législateur doit faire en sorte que ce maintien d'une égalité d'accès aux soins, cette justice sociale, soit le plus établi possible. Et ça, ça a été une des très grandes révolutions dans le monde médical, et peut-être que vous allez contribuer avec toutes vos recherches à améliorer l'efficience du dispositif. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 20 ans, 25 ans, les considérations qu'on avait en médecine étaient uniquement en termes d'efficacité et de non-malfaisance. Les aspects financiers n'intéressaient pas les médecins. Moi-même, ce n'était pas notre problème. Le prix du médicament, ce n'est pas mon problème. C'est l'industriel qui le fixe, c'est le gouvernement qui le décide. Cet aspect-là n'intéressait pas beaucoup la collectivité. Mais l'augmentation des dépenses a été telle, dans tous les pays développés du monde, qu'on a été amené maintenant à raisonner ce qu'on appelle en coût d'opportunité. Coût d'opportunité, ça veut dire que quand on va faire quelque chose, c'est un choix qu'il va falloir faire dans la collectivité, on ne pourra pas faire autre chose. Peut-être qu'il faut choisir, par exemple, un exemple concret, un nouveau médicament pour l'hépatite C est arrivé sur le marché, 4 milliards d'euros pour les premières années en France, après ce sera moins. 4 milliards d'euros, c'est ce que demandait le ministre des Armées, le ministre de la Défense, pour les nouvelles campagnes qu'on devait faire en Orient et au Moyen-Orient. Raisonner en coût d'opportunité, ça veut dire on met en balance les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les choix qu'on fait puisqu'on ne peut plus tout faire? Voilà ce que ça veut dire. Et quand on est... Bon, alors pour le moment, on n'en est pas là, mais on est à ce mode de réflexion au sein de l'enveloppe santé. Donc, on est amené à réfléchir. Et sur le sujet sur lequel vous allez travailler, c'est-à-dire le cancer, là, les enjeux sont particulièrement importants. Parce que sur l'hépatite C, avec les médicaments, on guérissait les gens. Donc 6 semaines de traitement, 40 000 euros en France, ou 45 000 euros, mais la personne est guérie. Sauf si elle rattrape l'hépatite après une autre, mais sinon elle est guérie. Donc on peut voir la fin. En prospective, on peut dire ça va coûter tant, mais ça va s'arrêter. Avec les molécules sur lesquelles on va travailler sur le cancer actuellement, l'immunothérapie essentiellement, on prolonge les gens. Et aussi longtemps que les gens seront prolongés, ils devront prendre le traitement. Ça veut dire qu'on va être devant des coûts exorbitants. Mais vraiment exorbitants. C'est le Sovaldi multiplié par 3, 4, 5, 6. Il est évident que les collectivités ne pourront pas suivre, sauf si on trouve d'autres moyens de faire des économies ailleurs ou d'autres pistes de recherche que ces médicaments très onéreux. Et là, notamment en matière d'épidémiologie du cancer, donc de la prévention, il est évident que tous les travaux que vous allez mener sont fondamentaux, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de ne pas traiter quelqu'un, parce qu'il n'a pas eu le cancer, que de le traiter. Donc les enjeux, voilà comment on est amené, nous, à la HAS, à raisonner sur ces sujets. Alors, pour rentrer plus particulièrement sur le domaine des big data, d'abord, j'ai aucune compétence en informatique. J'ai découvert l'informatique en 1985 quand j'ai acheté un Macintosh. Et depuis, je suis toujours resté chez Apple parce que c'est un choix qui est irréversible, ça, pour les utilisateurs. C'est à peu près ma seule compétence en informatique. Si je suis là, c'est uniquement pour
essayer de porter des valeurs éthiques sur la problématique actuelle, et surtout pas des valeurs scientifiques. Mais pour nous, observateurs, même si on est régulateur, puisque on contribue à la régulation à la HAS, les big data, pour nous, quand on les voit, pour le moment, c'est une boîte noire, dont on ne sait pas ce qui va sortir. Il va sortir quelque chose, mais on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Et cette appréhension qu'on a vis-à-vis de l'utilisation d'algorithmes et dans ces open data ou big data, puisque les open ne sont pas forcément big, est encore aggravée par le discours ambiant qu'il peut y avoir, soit quelques data scientists que vous connaissez tous et que vous voyez dans la grande presse et qui nous fait des révélations, l'homme de Milan, on va vaincre la mort grâce aux données, etc., etc., à la génomique, etc., pour lequel vous imaginez bien que tout ça, c'est pas vrai. Donc, ça nous met quand même un petit peu de réserve sur quelque chose. Quand on voit les porteurs de flambeaux affirmer des contre-vérités, on se demande si le message qu'ils portent, derrière, il y a quelque chose de sérieux ou si c'est que du vent. Enfin, on pense qu'il n'y a pas que du vent. Et puis, l'affaire Volkswagen, là, je veux dire, ça nous perturbe un petit peu aussi de voir comment on peut nous faire prendre des vessies très polluantes pour des lanternes vertes très écologiques sur une boîte qui est dans le système et qu'on ne voit pas. Donc, bref, ça explique pourquoi on a a priori un certain nombre de réserves, non pas méthodologique sur l'aspect scientifique, mais éthique sur ce qu'on va pouvoir faire des résultats de ce que vous allez trouver. Alors, la première chose, c'est qu'on est réellement convaincu, enfin je suis, et beaucoup d'autres, on est réellement convaincu que c'est une science, une nouvelle science. C'est important, hein, parce qu'en matière médicale, il y a beaucoup de charlatanisme. Hein. On est convaincu qu'on a affaire vraiment à une nouvelle science, et si on prend les critères épistémologiques de Thomas Kuhn ou des autres qui ont réfléchi, l'analyse des big data, ça présente les caractéristiques d'une science. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de scientifiques importante qui s'est détournée de d'autres méthodes pour s'intéresser à ça et à s'intéresser à cette nouvelle méthode de recherche. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que les perspectives de découverte que vous allez faire s'avèrent être potentiellement extrêmement importantes et dans des domaines extrêmement variés. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme à ce niveau, et c'est pas si fréquent que ça en matière scientifique. Donc, on est tout acquis à l'idée sur le principe. Pourtant, compte tenu de sa nouveauté, il faut qu'on ait un certain nombre de garde-fous. Alors, c'est pas le principe de précaution, parce qu'on est complètement opposé au principe de précaution, qui n'a pas de justification autre que politique en France, telle qu'il est. Hein. Les situations dans lesquelles il a été mis sont assez abracabrantesques, comme on dit, surtout que c'était le même président. Non, mais c'est simplement des précautions d'usage en fonction de l'utilisation qui va en être faite. D'abord, vous allez croiser des données issues de sources extrêmement différentes. C'est le principe même, je crois, si j'ai compris. Ça peut être des données médicales, ça peut être des données médico-administratives, ça peut être des données météorologiques, ça peut être des données de géolocalisation, des data personnelles cliniques qui ont été enregistrées, des données issues de réseaux sociaux, j'en sais rien, moi, ce que vous allez utiliser comme base et ce que vous allez avoir à votre disposition. Donc, ça va donner énormément, vous allez croiser énormément de données qui vont pouvoir faire aboutir un certain nombre de corrélations dont on n'a aucune idée si cette corrélation est le fruit du hasard ou si ça correspond réellement à quelque chose. Donc, il peut y avoir des pistes dans lesquelles vous pensez trouver quelque chose, et puis vous allez sûrement trouver des choses totalement inattendues. Alors ça, c'est assez contradictoire avec les méthodes jusqu'à présent qui sont utilisées, notamment dans la recherche médicale, hein, où on fait des hypothèses, et puis après on met en place des protocoles, et puis on teste les hypothèses, puis on regarde. Et en matière de santé, le golden standard, c'est l'essai randomisé contrôlé, c'est-à-dire on prend un groupe
témoin, on prend deux groupes, un groupe témoin, un groupe intervention, on met en place une intervention et on regarde après ce qui s'est passé. Donc manifestement, et c'est ça, nous à l'HAS et dans toutes les agences mondiales de santé, hein, agences ou autorités mondiales de santé, c'est ça la base de référence pour nous. Pour nous, quand on nous propose un traitement, quand on nous propose des tests diagnostiques, des médicaments, des dispositifs, les agences, elles demandent ça comme résultat. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude et comme étude contrôlée? On voit bien après que quand on passe dans la vraie vie, dans l'analyse des cohortes, ça ne colle pas forcément. Il n'y a pas les mêmes résultats, parce que dans les essais, ils sont petits, extrêmement sélectionnés. Ce n'est pas des populations qui correspondent à tout ça. Voilà. Donc là, vous allez sans doute bouleverser ce mode de raisonnement. Et c'est très bien, parce que la science, elle avance comme ça. Elle n'avance pas sur une autoroute. Elle avance par des chemins de traverse qui permettent de découvrir des choses. L'autre chose qu'on attend beaucoup de vous, c'est la... par cette capacité de mise en évidence de signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui sont difficiles à détecter parce qu'elles ne se produisent pas souvent, et donc il faut un grand nombre pour les détecter, notamment sur les médicaments. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique a bien compris, puisqu'elle ne veut plus faire de recherche. Il y a des gens de l'industrie pharmaceutique ici ? Beaucoup, oui, voilà, bon. Elle essaye d'éviter de faire des recherches sur des blockbusters, comme on disait avant, pour essayer de se mettre dans des niches où, de toute façon, il n'y aura pas énormément de patients, donc, de toute façon, on ne pourra pas, alors, je suis peut-être un petit peu pervers quand je dis ça, hein, vis-à-vis de l'industrie, mais c'est aussi un mode de raisonnement. S'il y a moins de patients, on va avoir plus de difficultés à mettre en évidence des effets qui sont peu fréquents. Là, récemment, c'est pas récemment, il y a 2 ans, il y a eu un papier qui a été très intéressant, qui a été fait par Yahoo, je crois, pour détecter des effets secondaires sur des médicaments, simplement en analysant la recherche des mots d'entrée, des requêtes sur des troubles, et en le croisant avec des noms de médicaments, enfin, princeps. Et ça a permis de mettre en évidence un certain nombre d'événements qui apparaissaient au fil du temps et qui n'étaient pas identifiés, parce que ce qu'on identifiait surtout, c'est les événements qui apparaissaient précocement quand on prenait le traitement. Et pas tardivement, c'est difficile. Les systèmes de vigilance sont très difficiles à mettre en place. Un autre exemple qui m'a intéressé beaucoup, c'est en Malaisie, comment l'analyse météorologique, l'analyse d'un certain nombre de critères permet de prédire la possibilité d'une épidémie, enfin d'une multiplication des larves du virus Aedes, là, qui va donner la dengue, le virus tigre, le moustique tigre. Et donc ça permet d'anticiper simplement sur une analyse de données. C'est une veille épidémiologique, il paraît qu'on appelle ça l'infodémiologie. Bon. Donc on sait, on sent, on pressent, on espère que ça va donner des résultats et des pistes de recherche extrêmement intéressantes, notamment sur le cancer, mais pas seulement. Alors, pour en venir au sujet là, de ma présence ce soir, quels sont les enjeux ou les préoccupations éthiques qui vont nous interpeller d'une manière générale ou plus particulièrement sur le projet? Alors, le premier, qui est vraiment la bouteille à langue que vous avez tous, c'est la protection des données personnelles. Bon. Et donc, il ne faut pas pouvoir retourner à l'identification d'un individu en tant que tel par les process que vous allez appliquer. Le deuxième, qui aussi anime beaucoup la discussion, c'est celui sur le consentement. Est-ce qu'on a besoin de recueillir un consentement ou pas pour utiliser ces données? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de quelles données. Quand vous allez utiliser, si vous y avez accès, je ne sais pas encore, nous ne savons pas, enfin à moins que vous nous l'ayez dit, le type de base de données auquel vous aurez accès pour vos programmes, la qualification de ces bases de données. Si vous avez accès aux données, par exemple, du SNIRAM, c'est-à-dire le système national interrégime de l'assurance maladie, qui est anonymisé. Les données qui sont dedans, par définition, sont des données de l'État,
Et les patients, en acceptant d'être remboursés, puisque ne sont dans ce SNIRAM que des données qui ont donné lieu à des remboursements par l'assurance maladie, ces données, en acceptant le remboursement, le patient a donné implicitement, automatiquement, son consentement à l'utilisation de ces données. Donc, vous pouvez utiliser SNIRAM, le patient peut le refuser, mais dans ce cas-là, il doit explicitement dire à l'assurance maladie, je ne veux pas que mes données servent à des études, à des recherches, quelles qu'elles soient. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté, elles pourront être utilisées. De la même manière, toutes les données que vous pourrez recueillir, des vagabondages sur Internet ou autres, seront utilisables. En revanche, il y en a d'autres qui, elles, sont dans l'état de la législation française et européenne, qui sont beaucoup plus touchy, notamment toutes celles sur le génome, toutes celles qui concernent la génétique. Puisque là, dans ce domaine-là, la finalité de la recherche doit avoir été mise au moment du consentement. Et il ne peut pas être question de ce qu'on pourrait appeler un consentement dynamique, c'est-à-dire en cours de route, dire on va faire telle étude, voilà, est-ce que vous voulez signer, c'est pas possible. Il faut refaire une démarche complète. Donc pour ce qui implique la génomique, ce ne sera sans doute pas possible, dans l'état actuel de la législation française et européenne, de l'utiliser comme tel. Ensuite, parmi les précautions qu'on va avoir, nous, en regardant les projets que vous allez proposer, c'est, mais on en revient encore à l'individu, c'est-à-dire que vos études, et je ne pense pas que vous serez dans ce cas-là, puissent permettre de dresser des profilages de patients, mais des profilages de patients qui retournent à l'individu, pas des catégories de facteurs de risque, que ça puisse retourner à l'individu et qu'il puisse y avoir indirectement donc une sélection, par exemple une sélection des risques. C'est-à-dire qu'on puisse identifier que monsieur Intel, qui a participé à ces études, etc., il a un profil de risque qui lui donne risque d'avoir telle maladie plus qu'un autre. Qui pourrait, alors en France, comme il y a une assurance pour tout le monde, ça n'a pas de problème, mais dans d'autres pays, ça peut poser un problème. Par exemple, autre exemple qu'on donne sur le risque qui pourrait être identifié, c'est sur des communautés qui ont des risques particuliers. Par exemple, des personnes qui sont battues, violentées par un conjoint, par exemple, et qui pourraient consulter des sites particuliers, donc ça permet après de les identifier. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on soit dans le cas-là, dans ce type de cas de ce que vous allez faire. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de protéger l'individu dans le risque d'automatisation qu'il peut y avoir. Après, c'est-à-dire que c'est plus le médecin, c'est plus l'équipe médicale qui va gérer le patient, mais automatiquement, on a mis en place des algorithmes qui disent, telle situation se passe, voilà ce qu'il faut faire. Et que le rapport humain, le colloque singulier, l'ensemble de la chaîne de soins ne se fasse plus que par l'intermédiaire d'outils automatisé, informatique, intelligence artificielle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Une autre préoccupation qu'on a, c'est devant une découverte fortuite, l'annonce qui sera faite au patient de cette découverte fortuite inattendue, ou, de la même manière, sur la médecine prédictive, comment annoncer des risques qui sont extrêmement difficiles à quantifier. Autant quand on est dans la prévention, on a un risque statistique, on peut dire à quelqu'un, moi par exemple, j'ai fait mon équation de risque, j'ai 30% de risque de faire un accident cardiovasculaire dans les 10 ans. Enfin, 25%. En fait, ça fait que 2% par an, en fait. C'est pas tant que ça, finalement. Bon, mais là, on est dans quelque chose qu'on peut quantifier. Mais si vous dites à quelqu'un, vous avez le gène de telle maladie, vous êtes absolument incapable de dire si cette maladie va s'exprimer ou pas, sauf dans quelques cas particuliers, le cas d'Angelina Jolie, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qu'on ne connaît pas dans la génétique, et notamment
plusieurs gènes pour l'expression, et puis l'épigénétique, et puis d'autres choses qu'on commence à découvrir qui sont en dehors des chromosomes qui agissent, on ne sait pas. Donc, faire des cartographies génétiques, aujourd'hui, à part petite centaine de maladies, je crois, bon, rapidement, il y en aura plus, qui pourraient être assez précises, ça n'a pas de sens. Et donc, c'est une préoccupation qu'on a quand les patients, mais là encore, c'est peut-être pas le sujet, ils peuvent le faire déjà, envoyer un extrait de salive à 23andMe, puis recevoir... Pas aux États-Unis, parce que aux États-Unis c'est devenu interdit, hein, mais ils l'envoient au Canada. Et puis ils recevront leur cartographie de risque d'un certain nombre de gènes. Voilà, en gros, les préoccupations qu'on va avoir d'un point de vue éthique sur les programmes que vous pouvez être amené à nous proposer. Vous voyez qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup de risques que ça rentre pas dans les clous. L'analyse on aura besoin de connaître quand même les sources, les bases de données, savoir la finalité de ce que vous voulez en faire. Mais il y a aussi des enjeux pour nous médicaux et sanitaires que j'aimerais évoquer avec vous. D'abord, on rentre dans une nouvelle mode d'exploration. Et que ce soit par l'analyse épidémiologique que vous allez faire, ou que ce soit par exemple avec tous le Quantify Self, ou les appareils de télémédecine, de prise de mesure adressée, ce qu'il faut comprendre, c'est que les normes qu'on a actuellement pour définir une pathologie ou des cibles thérapeutiques, elles ont été acquises au fil du temps, à travers des études, et non pas des études anciennes, des modes de raisonnement anciens, et non pas à travers des recueils comme ça, au fil de l'eau, en grand nombre de données, quelles qu'elles soient. Ce qui veut dire que ce soit pour la biologie, que ce soit pour des paramètres physiologiques, il faudra sûrement redéfinir, à l'aune de ce que vous allez trouver, tous là, dedans, redéfinir des critères diagnostiques et des critères de cible thérapeutique. On ne traitera sûrement pas l'hypertension artérielle dans 5 ans, peut-être, ou 10 ans, que comme on la traitait auparavant. Avant, on prenait la tension pour faire comprendre, une fois on arrivait dans le cabinet du médecin, on prenait la tension, il dit « oh là là, c'est haut, c'est bas, etc. » Envoyez chez vous, donnez le médicament. Puis après, on a pris d'autres techniques, mesure sur 24 heures, ou auto-mesure, qui permettent d'affiner. Là, on va avoir pour cette catégorie de pathologie, très vraisemblablement, des courbes de tension où des gens vont les prendre 10 fois par jour, 15 fois par jour, se relever la nuit pour les prendre. Donc, avec des variations, il va falloir interpréter tout ça, analyser tout ça. Là, on sera dans de la donnée qui va être importante et qui va permettre très vraisemblablement de redéfinir des normes et des cibles. Mais aujourd'hui, ces normes et ces cibles, elles sont basées sur ce qu'on connaît. Donc, ce qu'on attend, c'est en gros que vous passiez de la donnée à de la nouvelle connaissance. Et ça fait partie des choses qu'on attend. Une autre réserve, qu'on a, et je crois que j'en finirai là, puisque les autres, ce n'est pas du même domaine, c'est la pertinence des bases de données que vous allez utiliser. La qualification des bases de données que vous allez utiliser. Quand on fait de la recherche traditionnelle, on met en place un modèle et on essaye de prévoir toutes les situations pour que le modèle de recherche qu'on va faire s'adapte à la situation. Là, les bases de données, vous n'avez que celles qu'on va vous proposer. Vous n'avez pas d'autres bases de données qui seraient pourtant utiles. Alors nous, en médecine, on appelle ça l'effet réverbère. Vous connaissez l'effet réverbère? C'est le gars la nuit qui cherche ses clés. Et il dit, mais pourquoi tu cherches tes clés? Il a perdu ici. Il dit, non, mais là, il y a de la lumière. Donc, cherche là. C'est ça, l'effet réverbère. Donc, on vous donne des bases de données. Et vous allez... Donc, il y a la pertinence de la base de données que vous allez utiliser qui va être à prendre en compte. Sinon, ça peut arriver à des corrélations qui n'ont rien à faire. Voilà, en gros... Ah, si, quelques enjeux, mais alors ça, c'est vraiment anecdotique.
au fil de toutes les lectures que j'ai faites, il y a quand même un enjeu écologique et éthologique, entre guillemets, important, parce que tout ça, toutes ces recherches, ça coûte beaucoup en empreinte carbone, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie et des capacités de stockage. Donc je suis pas sûr, à moins qu'on trouve rapidement les ordinateurs à mémoire quantique, que ce soit illimité, la capacité d'analyse.